ça va être déjà moins pire. On est... Non, le son est pas resté. Fuck, mais attends, toutes les options que j'ai mis a pas changé. Ah, là c'est mieux. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Je suis pas en train de regarder ton affaire. C'est cool. Non, c'est pas là. Commande classique du chat. Paramètres. Bon. Nouvelle partie. Choisir le niveau de difficulté. La difficulté est modifiable en cours de partie. Bon, je vais en normal de part. Moi, si je fais un jeu, le jour où notre village est brûlé, nous sommes engagés. À moins que nous avions une bonne raison de nous battre. Au moins. Aucun de nous ne savait encore que cette guerre allait nous coûter cher. C'était un champ de bataille, mais c'était là que nous avions grandi. Extrait du Claude Wallace, de Claude Wallace. Si j'inventerais un jeu, je mettrais une difficulté qui s'appellerait difficulté trop dure pour rien. Ou est-ce que juste on a mis plein de points de vie aux ennemis puis on n'a pas augmenté nos dégâts, fait que c'est juste chiant à faire. Exactement. Vent nord-est, ciel dégagé et wow. Oh, et Raz. Eh bah, tu finis la sieste. Quelle sieste, je me repose les yeux. Faut se calmer un peu, je te sens super tendu. Regarde tes mains, elles tremblent. Allez, commandant, on ne sort pas les doigts. On se sort les doigts et on y va, maintenant. Montrons aux épais au skin. Tabarnak, c'est vite. Je pense que je vais pas lire les dialogues. Pas pendant les cinématiques, parce que... As-tu joué aux 3 autres premiers? Je joue au 1. Le 2 et 3 sont disponibles qu'en japonais. Le 4 a été traduit au moins en français et en anglais. Ah, ils ont pas de... Pas assez populaire, le 2 et 3. その2名。お前らしっかりついてこい。いつでも行けます。ハーフェン号、前進。 Fun fact, le 1 est inspiré crissement de la deuxième guerre mondiale. C'est très drôle, à la fois. Mais les histoires sont détachées des unes des autres, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir fait le 1 pour comprendre le 2. Mais c'est-tu les mêmes personnages? Pas en tout. Mais y'a même pas... Oh, y'a rien de rattaché ensemble. Rad, si t'es prêt? J'entends vos ordres, chef. Je suis prêt, paré et invincible. Ok. D'abord, on va voir comment ils s'en sortent face à l'infanterie. Escadron E, en avant. Passe du joueur.
Qui est directement en position. Il est temps d'y aller. Juste le commandant, c'est mon devoir de tous les ramener. On se concentre, rappelle-toi de ton entraînement. On peut le faire, je peux le faire. Tu as le mode commandant. Au début du combat, une carte de la zone apparaît dans la position de vos unités. Il s'agit du mode commandement. Vous pouvez sélectionner l'unité que vous souhaitez déplacer en fonction du terrain et de la position des ennemis. Déplacez le curseur sur Rads avec WASD ou allez sur lui avec flèche. Et passez en mode action avec Enter. Encore baisser un peu le son. Ça, le mode action. C'est une unité active en mode action pour bouger ou attaquer. En mode action, déplacez les unités WASD. La jauge PA en bas de l'écran diminue peu à peu lorsque l'unité se déplace. Une fois qu'un soldat a dépassé tous ses PA, il ne peut plus se déplacer. Envoyez Rats vers le sac de sable. L'attaque. Maintenant, il est en position, il est temps d'attaquer. En mode action, utilisez clic droit pour passer en mode visée. Visez un ennemi avec la souris. Utilisez AD pour changer rapidement de cible. Utilisez clic gauche pour attaquer si l'ennemi survit et reste de riposter. Alors, essayez de viser juste. J'ai combien de tirs? J'en ai 7. Putain. T'as-tu compris, Félix? De comment ça marche? Ouais. Les troupes ne peuvent attaquer qu'une fois par action. Lorsqu'une unité est amenée, finissez l'action et revenez en mode commandement. Utilisez X pour mettre fin à l'action de l'unité. X peut terminer l'action de l'unité même si elle n'est pas encore. Si elle n'a pas encore de. Si elle a encore des PA ou n'a pas encore attaqué. Si on n'est pas obligé d'attaquer à chaque shot. Vous pouvez aussi utiliser Échappe pour terminer l'action où quelqu'un a un message de confirmation peut être. Tu as les sacs de sable. Utilisez les sacs de sable présents sur le champ de bataille comme couverture. Bon, là, il explique qu'un sac de sable est mieux que rien. Moi, je termine mon action. Merde, c'est connard, mais pas la route. Je peux pas passer. Bon. Je croyais que t'étais invincible, non? Sérieusement, deux ou trois pour ce deux, ça y est. Tu perds le pied? Et si tu te mettais à réfléchir pour une fois? Oh, tais-toi, dépêche-toi de les éliminer, ok? Je pensais que tu n'allais jamais demander. Ce sera vite fait. KF, effectue une sortie. Tu as les snipers. La classe des snipers se spécialise dans le tir sur les ennemis distants. Zoomez des images en mode visant utilisant roulette vers le haut ou le bas. Faites tomber les têtes grâce à ça. Oui, c'est un jeu de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un tactical. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'un petit headshot. Il est mort. Logiquement, là, je peux jouer avec. Là, c'est-tu une pratique ou c'est vraiment la guerre, on va dire?
Bah actuellement c'est tutoriel, mais je suis vraiment en train de me battre dans le jeu là. Mais là, anyway, y a rien à attaquer, fait que je vais juste le mettre à couvert. Les PC et les phases de fin. PC. Sélectionne une unité en mode commandement, consomme un point de commandement, PC. Les PC limitent le nombre de fois où vous pouvez contrôler une unité par phase. Lorsque vous n'avez plus de PC, la phase de joueur se termine et la phase ennemie commence. Utilisez échappe ou X pour finir la phase avec des PC. Soyez attentif à votre placement avant que la phase ennemie ne commence. Terminez votre phase, je suis au plus obligé. Phase ennemie. On va y voir un éclaireur. Ça dépend des classes. C'est des... Là, vu qu'ils sont tous niveau 1, c'est comme s'ils étaient tous inexpérimentés au combat. Fait qu'ils ont pas les réflexes de survie de la guerre. Mais il y a quand même un couvert, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Avec le temps, il va savoir le faire. Avec le temps, il y a certains persos qui peuvent se jeter à terre quand il y a des grenades. Genre, en tout cas, dans le 1, c'était comme ça, genre. Sur le 4, d'après moi, ils ont amélioré le truc. Exemple, il y avait des grenades. Genre, ils se jetaient à terre dans une autre direction pour prendre le moins de dégâts possible. Ils vont contre-attaquer rapidement. Il y a certains personnages qui avaient des bazookas. Il y avait aussi des grenades de riposte. Il y avait des personnages qui attaquaient avant que l'autre attaque. Genre, ça dépend de beaucoup de classes. Là, vu que c'est le tuto, c'est encore basic. Là. Enfin, on a failli attendre, Claude. Ouais, je sais, soldat, en avant. Puis il y a aussi des tanks, évidemment. Il est temps de passer à l'attaque. Des renforts sont arrivés. Les PC et actions consécutives. Les points de commandement PC sont rétablis avant chaque phase du joueur. Les PC peuvent être utiles plusieurs fois de suite sur une même unité. Ceci est utile pour percer les lignes ennemies, franchir les terrains hostiles et achever les ennemis coriaces. Cependant, ils vont s'épuiser et débuter chaque action consécutive avec moins de PA pour porter pour la dernière. Mais les PC inutilisés durant la phase se reportent sur la suivante. Votre gestion des PC déterminera le destin de votre escadron. En passant, c'est le basic, si tu meurs pour toujours, si je me rappelle bien. Là, comme là, je pourrais jouer lui, essayer de snipe, puis le headshot, mais il en reste plus beaucoup. Sinon, je pourrais m'amuser à prendre un autre infanterie. Sinon, je pourrais prendre un éclaireur. Les éclaireurs sont le fun à jouer parce qu'ils bougent en crise. Fait qu'il faut que tu fasses attention parce que si tu meurs, c'est la fin. Ouais. Normalement, c'est ça. Mais ça va peut-être changer, mais il me semble que c'est ça. Que mes sites. Fait que je fasse très attention à mes couverts. Il y a juste les persos principaux qui peuvent pas mourir. Ça, la visée et les points faibles. Les coups critiques comme les tirs à la tête infligent davantage de dégâts. Utilisez souris pour viser rapidement. Si vous jouez à la manette, vous serez plus précis avec la croix directionnelle. En général, les balles touchent le cercle marqué dans votre signe de ligne. Augmentez vos chances de toucher une cible en alignant celle-ci avec le cercle marqué dans votre ligne de mire. Pour tuer, indique le nombre de tirs à placer pour vaincre la cible. Ce nombre montre si vos tirs vont toucher l'ennemi ou si vous visez un point faible. Fait que là, pour tuer, il faudrait que je mette 3 balles dans la tête. J'en ai mis aucune. Puis aussi, il faut que j'aie le réflexe de vite terminer mon tour si y a encore un ennemi vivant, parce que sinon il peut contre-attaquer assez violemment. Mais vu que j'ai le feeling que je vais avoir besoin de toutes mes unités, je pense que je vais avancer tout le monde dessus. Puis des fois, il y a aussi des. Il y a aussi des systèmes de combo d'unités ensemble. Ah, ok. Mais. Ça, c'est plus tard. Ça va être plus loin. Ouais, c'est ça. C'est plus tard que c'est bien développé. Hein. Pour tout de suite, j'ai juste la base. Comme là, je suis trop loin pour vraiment faire beaucoup de dégâts. Okay. C'était pas mon meilleur move. C'est quand même résistant en fait, les ennemis.
Ben, ils sont pas résistants, c'est que c'est très inspiré de la Deuxième Guerre mondiale, fait que les armes à feu sont tombent vite inefficaces à moyenne distance, genre. Ah, ok. Sauf les snipers. Sauf les carabines qui sont extrêmes, sont vraiment réfléchies sur, pour de très longues portées. Aussi, je pense que c'est fait exprès pour que les personnages principaux ils freinent un peu. C'est fait exprès pour que quoi? Les personnages principaux, c'est eux qui tuent les mondes en premier, genre pour qu'ils brillent un peu, qu'ils shine. Ben là, j'ai l'impression que les seuls personnages principaux qu'il y a, c'est Rats, le sniper, mon tankiste, le conducteur de tank, et ça s'arrête pas mal à ça. Les autres, c'est juste des personnages généraux à toi, moi. Mais faut essayer de les faire survivre pareil. Ouais. Mais le mieux c'est que personne meurt, même si c'est des persos aléatoires, parce que tu peux quand même avoir de l'attachement aux persos aléatoires, parce qu'ils ont quand même. Comment ça? Ils ont quand même genre un historique pis tout. Ouais, ouais. Comme ça on s'en prend à nos chars, hein? Je te laisse, Claude. À notre tour maintenant, mets le moteur en route, Mice. Oui, chef! Et le FN est en mouvement. Détruisez le char ennemi. Là, je pense, à chaque... si j'ai bien compris, chaque Valkyria Chronicle commence avec un char d'assaut. Mais pas un... Mais les chars d'assaut. Les tanks, là, quasiment. Là. On commence avec un gros tank. La puissance et l'endurance des chars surpassent celles des unités terrestres. Ils peuvent résister aux tirs des fatassins ennemis et ainsi créer une bonne couverture pour votre infanterie. Les chars peuvent utiliser... peuvent tirer et rouler sur les objets marqués d'un X rouge sur la carte en mode commandement pour les détruire. Les passages étroits bloquent les chars. Vous devrez utiliser votre infanterie pour continuer votre progression. Terminez ma phase. Généralement, les chars vont attaquer les autres chars. C'est très rare qu'ils vont attaquer les. Ouais, c'est logique aussi. Les soldats standards. Là, comme là, le. Oh, ça c'est bizarre, par là. Bon, je suis sûr. Le... C'est parce que. En le... bas à droite, il y a le petit son comme ce serait un LM. Les chats de guerre. Les chats ont trois types d'attaques. Les obus anti-blindage, AB, les mortiers explosifs et une mitrailleuse. Les obus anti-blindage sont efficaces face aux chars et aux autres véhicules. Les mortiers frappent une large zone et idéal pour l'infanterie. La trajectoire des mortiers est en arc. Visez donc un centre des ennemis pour de gros dégâts et économiser des munitions. Lorsque les ennemis sont trop proches pour les mortiers, interceptez-les avec la mitrailleuse. Appuyez sur 2 pour changer d'arme du char. Ce qui est chiant, c'est qu'en arrière, tu le vois peut-être pas, mais il y a un point faible. Genre quasi one shot si je hit, ou genre je pense à one shot. Mais faut que tu sois dans son dos. Ouais. Là, le mieux, ça va être encore de jouer lui, parce que les. Si. C'est le truc bleu, le point faible. Ouais, le point faible. Les plaques bleues brillantes à l'arrière du char sont point faible. Si une balle la touche, il subira des dégâts. Essayez d'atteindre l'arrière des chars ennemis pour le. Pour les vaincre, mais attention à ne pas exploser votre point faible. Parce que nous autres aussi on a un point faible. Michael Jackson move. Le plus simple c'est legit de faire ça comme ça. T'arrives. T'exploses, c'est même pas du... de recul sur toi. Non, je sais, mais je me souviens que genre les lanciers, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les ceux qui ont des rocket launchers dans le jeu. Ils one shot quasiment tout le temps les chars parce que ils font juste, ils ont une résistance naturelle aux balles, fait qu'ils font juste arriver dans leur dos, ils rocket launch le camion,
Puis ils ont... c'est gagné, genre. Il n'y a pas de dégâts de recul, sauf pour les grenades. Hé hé, quelqu'un d'autre veut essayer? Personne ne charge des noises à l'escadron, Ok, personne. Claude, c'est de quoi je... Ouais, ça va? Les fleurs. Hein? Ah ouais, nous n'ont pas fait le poids. Allez mec, t'es censé être le commandant du corps. Le commandement du corps des Rangers. Même comme un cœur, tout comme les fantassins. Tu me fais de la peine de voir ça malgré mon rang. Me pleurer pour des fleurs. Même les petites filles ont une plus grosse paire ces temps-ci. Portez-toi chance, pourquoi? Parce que je fais un petit tirage, puis je voudrais que je sois chanceux. Vas-y, je sois chanceux. Peut-être, mais l'important c'est que c'est ce qu'elles ont dans le cœur. C'est bon, j'ai compris le pouvoir du cœur, blablabla, blablabla. Bon, retourne à la base, fais ton rapport, ok? On n'arrive à rien si on reste bloqué ici à t'attendre. Bien vu, je pars pour le centre de commandement. Voilà, il dit au gradé de nous envoyer combattre des épées au plus carrière la prochaine fois, d'accord? Pour le moment, je suis vraiment pas chanceux. Il me reste une dernière chance. Oh non, il m'en reste... deux. Fait que là, on a un rang à chaque fois qu'on termine la mission. Là, comme là, mon rang est A. Le meilleur rang, c'est S, basic. S, ouais. D'après moi, je sais pas trop comment j'aurais pu avoir S, vu que le tutoriel te force de base à faire des actions. Là. Mais... c'est quand même correct, je trouve. T'es chanceux? Faudrait que je sois encore chanceux. Non, mais c'est pas... Ah, ok, ouais. Joshua, Nozan Cross-Saxem Hazdo. Un nouvel épisode a été ajouté. C'est le mode livre. Découvrez l'histoire jamais racontée de la seconde guerre d'Europa en consultant ses chroniques. Sélectionnez un épisode pour continuer. C'est à sauvegarder. Ouvrez le menu avec échappe et sauvegardez pour votre progression. Au combat, vous n'êtes jamais à l'abri de... N'oubliez pas de sauvegarder avant, pendant et après toutes vos missions. Dans le premier jeu, faut faire attention parce que t'as pas de save automatique. Fait que là, il y a ça. Faudrait que je fasse ça. Hein. Voir cet épisode. Chef lieutenant Claude Wallace au rapport. Vous avez fait du beau travail. Content de savoir que vous êtes en un seul morceau. Nous sommes sur le point de lancer la prochaine opération. Tu es en retard, tu connais la procédure, tu dois faire ton rapport à la fin de la mission. Oh, Minvera, tu es venu aussi faire ton rapport? C'est lieutenant pour toi. Ne joue pas avec moi juste parce qu'on a le même grade, j'ai l'ancienneté. Désolé, lieutenant Minvera. Tabarnak. Minvera Victor. Bien, commençons. Minerva. Quelle est la situation? Oui, chef. Trois mois ont passé depuis que nous sommes entrés en guerre. Je vais être franche, ils sont en train de nous écraser. En ce moment, les impériaux contrôlent un tiers de notre territoire. La situation est grave. Si celle l'est déjà autant, je crois qu'une puissance soutenir l'effort de guerre. Tu as raison, l'Empire progresse rapidement si cela continue. C'en est fini de la Fédération. Si nous échouons, l'Europa est perdue. Personne ne pourra le résister. L'Empire contrôlera tout et les fascistes, je suis pas sûr dans ma tête. Je pense que c'est fasciste. Fasciste. Gouverneront et le continent d'une main de fer. Nous ne pourrons pas laisser faire ça. L'avenir de l'Europa est entre nos mains. Ce qui m'amène au point suivant. L'état-major s'est décidé à agir et a mis au point un plan. Une contre-attaque qui pourrait changer le cours de la guerre d'un seul coup. Quels sont les ordres?
Nous engageons toutes nos forces, perçons leurs défenses et les frappons là où ça fait le plus mal. Soldats ravitaillement, on utilisera toutes les réserves pour fournir un effort final et capturer une base ennemie majeure. Et nous, les chanceux du 32e régiment du Ranger blindé, avons été choisis comme avant-garde. On ne pouvait pas rêver mieux, chef. De quelle base ennemie parlons-nous? Au Vaugrand, nous prenons une base qui leur enlèvera toute volonté de se battre. Qu'est-ce qui pourrait bien impliquer un tel? Attendez, vous ne parlez pas de... Tu as toujours été futé, Claude. Je crois que tu as deviné. Notre cible est la capitale impériale. Swan... Ah, tabarnak, un nom allemand. Contre-attaquons. Opération Croix du Nord. Si tu veux avoir un résumé de la Deuxième Guerre mondiale, c'est temps. ワイ。ちょっと待って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 。ちょっと
10 mars. Ah, juste après ma fête. この強突く形で猛反撃に出た連邦軍はまさに破竹の勢いで大勝利を重ね戦線を一気に押し上げている連邦勢力圏の東端から帝国首都シュバルツグラードまで実に1500キロ程度を落とし戦争を終わらせる途方もない道のりながらみんなの士気は高かった誰もが作戦の成功を心から願い 信じているのだ帝国って言っても全然大したことありませんねちょっと叩いただけで尻尾巻いて逃げていくんですからお前は何かって言うとそれだなおいちょっと貸してみろよラズさんやめてくださいフィルムがもったいない何言ってやがる未来の英雄様の写真だぜ いや、カイ、お前も何か取れよ。そうだな。いい写真が撮れた。おい、マイルズ、言ってんじゃねえか。てめえどんな操縦して。僕が止めさせたんだ。なんでまた。風がおかしい。レバー取んね。 Là, il y a un avion. Si, il y a juste Easy, il y a Easy d'écrit sur la tête. C'est drôle. Un nouvel épisode a été rajouté. Oui, je veux le lire. Ils arrivent avec la grosse artillerie. Un tir pour un bel effacement tout un escadron. Continuons d'avancer. Notre point de rendez-vous avec l'escadron F est proche. Éclair. Tonnerre. C'est le mot de passe, c'est pas je vais répondre avant de nous foutre la trouille. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Suivez-moi, le lieutenant Victor Zeta. Qui? As-tu parlé de Mine Venerva? Et tu es? Caporal Tabarnak Crystal Wards, Escadron F. Je suis fier d'être sous les ordres de Minerva Victor, l'officier le plus intelligent et futé de l'armée. Ah bah c'est bien. Hein? J'imagine que vous avez vu cette explosion. C'est pour ça qu'on l'a vu. Ils ont une sacrée puissance de feu. 10 mortiers de 210 mm, notre pire cauchemar en ce moment. Leur portée doit être au moins 10 km. On ne peut pas avancer avec ça dans les parages. Exactement, notre mission est de capturer ce mortier. Commandant, tu as bien mené l'escadron jusqu'à présent, Claude. Mais vous en avez mis du temps. On a essayé d'éviter de canon, on a dû avancer avec précaution. Garde tes excuses, comme je l'ai dit. Le succès de l'opération Croix du Nord réside dans une avance rapide. Le temps presse. Je sais bien. Essaie de te dépêcher avec un canon pari aux fesses. Oh, je suis bien, tu as déjà essayé d'échouer. Toutou et le toutou. Claude, t'es pas encore dressé ton escadron? Attends, t'as dit quoi? Comment? Ouais. J'apprécierais que tu ne les insultes pas. Ce sont des soldats, pas des chiots. J'attends alors qu'ils agissent comme tels et qu'ils se tiennent leur langue. Les soldats qui sortent du rang sont souvent les premiers à mourir. Souviens-toi-en, sergent Ratz. Ouais, j'espère aussi que tu t'en souviendras vivante. Sortira vivante, lieutenant. Commandant.
Il a un bon point de vue de la clairière. On pourrait les... On pourrait faire un briefer. Les briefs. En tout cas, une fois sur place. Les briefings. Claude, viens avec moi. Un nouvel épisode. Laissez-moi t'expliquer ta prochaine mission. Comme vous le savez, le Fort Crest possède un mortier de 210 mm qui bloque notre progression. On dirait la première vue d'un château transformé en place forte improvisée. Mais ils ont posté un certain nombre de troupes pour défendre le canon. Si on s'approche trop près, les tourelles sur les murs nous réduiront en charpie. Et notre canon à nous, il est où? Le mortier l'a déjà détruit. Il était hors de portée. Déjà détruit? Combien de temps pour le remplacer? Le pont a aussi été détruit sur les tracteurs d'artillerie. Ils ne peuvent pas passer. Cela prendra au moins 7 jours. Cependant, nous avons beaucoup d'infanterie. Qu'importe l'infanterie, sans canon, on ne peut rien faire. Pas nécessairement. Hein? Le temps presse et nous ne pouvons pas attendre une semaine. Je comprends toujours aussi vite. Comme il l'a dit, on ne peut pas se permettre d'attendre. On va devoir prendre la force sans artillerie. C'est trop dangereux, ces tourelles ont sans doute plus de trous que dans un fromage galien. Je sais, c'est une mission dangereuse, mais ce sont les ordres. Ce n'est pas une milice locale, c'est ce pourquoi nous avons signé quand nous avons rejoint des tabarnaks, des Dembourg. T'as raison, on s'est engagé pour écraser l'Empire, pas pour participer à un suicide collectif. Alors permets-moi de t'apprendre quelque chose, Christelle, dis-leur la nouvelle. Oui, dame, ce matin, l'Empire a envahi Galia. Ils l'ont envahi. Je sais que ce n'était qu'une question de temps. Et notre ville, Afen, est en sécurité? Tout ce que nous savons, c'est que la bataille a eu lieu près de la frontière, à la citadelle Girlandaio. Le prince Maximilien en personne mène l'armée impériale. L'avenir de Galia s'en met certain. Portel. Parce qu'ils vont faire des références à les... Ils en font des jeunes shit-tonnes. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans c'est, la ville, ça se passe. Ça se passe, je pense, en même temps, mais t'es pas obligé. Genre, comment ça? Comment ça? Genre, je le sais déjà actuellement qu'est-ce qui se passe à Galia, genre. Mais sauf qu'il va sûrement... Moi je le sais, mais ça va sûrement être expliqué mieux plus tard. Si l'opération Croix du Nord réussit, l'Empire ne pourra pas continuer sans eux. C'est plus des clins d'œil que vraiment... Notre seule chance est d'accomplir notre mission au plus vite. Parce que, quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont ressorti le 1, il y a pas si longtemps que ça avant de sortir le 4. Fait que je serais pas surpris qu'ils fassent beaucoup de références au 1 pour faire « Hey guys, vous avez vu, vous avez joué au 1 ». Mais très peu au 2 puis au 3, parce que le 2 puis le 3, justement, est juste disponible au Japon. C'était pas assez populaire, c'est ça? Ben le 1 a pas été assez populaire au début. Là, on espère avoir le 2 puis le 3 qui ressort un système au minimum ou quelque chose. Pour qu'il y ait des fans qui le traduisent en français. Ouais, non, ça n'a pas l'air particulier. Ok, y a même pas une personne qui le traduit encore. Non. Ou j'en ai pas entendu parler. On dirait qu'on n'a pas le choix, c'est notre patrie. Et dans le viseur de l'Empire, alors on doit la protéger. Je vais peut-être hacker, pas hacker, mais... Faire toute la bonne affaire. Hacker une ROM japonaise pour essayer de la traduire en anglais, pour pouvoir jouer en anglais. Oui, faisons-le pour Galia. Ben non, il faut que je pratique un peu mon anglais, là, mais... Là, on fait l'émission. Ah, bah, suite. Ça, je vais. Si, mettons, t'as des trucs que tu comprends pas, je veux dire. T'es pas tout seul, là, tu peux demander à Lino ou à moi si on regarde ton affaire. Ouais, c'est sûr, mais. C'est quand même mieux de comprendre l'extrême majorité de ce qui se passe. Voici les ordres. Ouais, ouais. Hey, Dodo, t'es-tu toujours là? Sûrement. Allô? Comment ça ah. va? Ah, oui, t'es toujours là. Ben, on se demandait. On avait peur que tu sois parti, là. Mais on peut le dire si je pars. Ok, nous devons prendre le mortier de Fort Crest. Mais là, tu t'en vas pas, là? Lola? Ah, non. Non? T'es sûr, là? J'écoute une vidéo YouTube, mais je suis quand même là. Ok. Nous devons prendre le mortier de Fort Crest.
L'escadron E assiguera le château et s'emparera du camp. Attends, je vais vérifier vite vite. Ça se passe bien sur Twitch. Parce que je me doute bien que c'est pas un jeu qui intéresse. Non, mais... Je veux quand même juste. C'est quoi qui marchait le plus quand tu faisais des streams? C'est Minecraft. Minecraft fait 4 fois plus de vues que tout le reste. L'escadron E assignera le château et s'emparera du camp ennemi. Stream du D&D pis du... C'est, ça, pogne, ça pogne plus que D&D pis de labyrinthe. Cependant, des tourelles gardent l'entrée. Si vous passez à porter les mitrailleuses, elles vous transformeront en passoire. Essayez plutôt d'établir une position, la place devrait en faire l'affaire. Mais d'abord, il faut y arriver. Pour ce faire, placez les unités sur le champ de bataille. Le camp de la base ennemie est capturé, ça c'est les conditions de victoire. Défaite, l'ennemi occupe votre camp de base, l'infanterie alliée meurt au combat, 20 tours passent. Info de la mission. Il y a un siège du château, lieu Forkrest, on s'en fout. Capturez le camp de base ennemi, Forkrest, en éliminant les soldats de la zone et en disant clic gauche, ouais bon ça change pas du premier. Ah, Dodo, pendant que t'étais parti sur Minecraft, j'ai fait une usine à poulet. Ça a changé la... T'as fait une usine à poulet? Changer l'équipement et les pièces de char pour modifier l'armement. Personnaliser vos véhicules et vos soldats mais pour pas finir votre stratégie. C'est un petit peu loin de la maison parce que sinon ça peut faire laguer, genre. Mais moi, je pensais... Philippe, ton épée est où? Mettons que je voulais aller tuer un. Dans mes poches. Ah, fuck, never mind. Attention. Non, non, c'est correct. On va faire autre chose. Et en vrai, c'est vraiment pas compliqué de faire des usines. C'est juste que le plus compliqué, c'est que au début, c'est t'as pas beaucoup de poulets dans ton usine, fait que c'est un peu lente, on va dire. Mais avec le temps, ça augmente. Là, je suis en train juste de démarrer Minecraft. T'es pas obligé. Connexion serveur, entraînement, chiffrement. Bon. Dorothée, t'es où? Dans la maison là. Putain, meurs pas. Thank you, I will not. Ok. Équipement, Claude. J'ai sûrement rien pour remplacer là, vraiment. Balle aux propriétés anti-blindage. Plus toi en visée, plus toi en anti-blindage. Ce serait pas plus intéressant. Pour Rats. Attends. Il n'y a pas d'option d'armes. Il y a un soin. Pièces de char. Changer des pièces. Les pièces optionnelles. Je me doute bien. Changer le camo. Changer la déco. Ok, ça rien, gérer l'escadron. Ok, fait que ça c'est tous ceux qui sont là. C'est tous les bonhommes que tu peux jouer, genre. Ouais. Fait que là, autour de ça, faut que je construise une équipe. Sauf que là, le gros défaut, c'est... C'est que genre là ils ont des comportements. Ces comportements là je les connais pas parce que dans le premier jeu ils plaçaient des unités et les chefs. C'est juste placer des unités, pas choisir les unités, oui. Utiliser, ok ça c'est pas choisir combien il y en a. Une fois la base choisie, choisissez une unité pour la mettre en position. Ok. Vous ne pouvez placer les chars qu'aux endroits marqués. Vous ne pouvez placer les chars aux endroits marqués d'une icône de char et infanterie aux endroits non marqués. Les symboles PC s'affichent à côté du nom de certaines unités dans le profil. Ces unités sont appelées chef. Placé sur le terrain, chacun ajoute un PC à votre total permettant de contrer plus d'actions par tour. Développez plusieurs chefs pour plus de PC. Ok, il y a un char sur le champ de bataille. Déployez des lanciers pour les détruire.
Fait que, anyway, c'est ça à 100% que je vais mettre. Non, objectif. Sans calice. Mode leave, non. Gérer l'escadron. Ah, ok, non, c'est info potentiel. Ok. Phobie sociale. Auprès d'inconnus, la tension qui règne diminue sa défense. Ok. Aime la nature. Dans la nature, son cœur s'emballe et lui confère une meilleure défense. Amitié sincère. Être près de Laurent l'encourage et augmente sa puissance d'attaque. Ok. Pilleur. Toucher un ennemi mort lui confère une chance de récupérer des munitions. Ok. Suer des tirs d'interception réduit sa précision. La proximité d'allié est une direction pour son équipe. Fait que à date, c'est un peu de la merde du joueur. Sa chance, la chance l'abandonne et sa position diminue. Ok, c'est ça. La proximité des femmes, le motive à illustrer et augmente sa puissance d'attaque. La proximité des femmes? Ouais, il est séducteur. Et je savais qu'il y a qu'un Nicole Cat. Merde. Un mille-pack, quand il est proche des femmes, il tire mieux. Dette infernale. Enchaîner plusieurs actions lui rappelle sa dette et réduira sa défense. À date, Jester, je pourrais quasiment m'en débarrasser, c'est le pire perso qu'il y a pas de la gang. Maniaque. En dissimulation, la crainte de se saler diminue sa pression. Oh, tu me niaises. Le fort désir d'atteindre un idéal augmente sa puissance d'attaque. Pacifiste. Par rejet de la violence, vaincre un ennemi diminue ses PA. Oh! Hey Connell! T'es à l'armée! Maladresse. Wow. La capacité à viser. Yo, tu vas pas dans l'armée si t'as peur de tuer. Eh ben, si tu veux pas tuer du monde. Sa puissance d'attaque augmente au contact d'un soldat mort. Obsédé de la dissection. Eh ben, freak out! Son désintérêt pour les matières non organiques diminue son esquive à proximité. Oh my god, ok, non. À date, y'a pas beaucoup de persos intéressants. Hein? Ça va être tête en l'air. Il lui arrive parfois d'oublier complètement de recharger son arme. Agir avant tout le monde augmente sa précision de tir. Foi absolue. Elle pense à être sous protection divine. Subir des tirs d'interception diminue son esquive. Mais c'est quoi ces persos savoir médical. Augmente l'efficacité du Ragnar. À moins de la moitié de ses PA, son esquive baisse. L'exécution des actions répétées augmente sa précision de tir. Vision de nuit. Être près d'un homme lui rappelle son mari. Il diminue ses PA. Ça serait censé être positif, non? Non, c'est négatif. Aime la nature. Dans la nature, son cœur s'emballe et lui... Mais c'est con parce que... Ah, c'est à côté d'inconnus. Fait qu'il est obligé de démarrer des affinités. Bon, lui... Il peut devenir utile. Cynique. Subit de l'étine d'interprétation et de sa précision. Moi, mettons, être un sniper, les personnes qui ont genre loup solitaire, ce serait pas pire, je pense. Lui, il pourrait se battre seul. Ouais, ouais, loup solitaire, c'est correct, mais joueur, lui, il est horrible, je veux pas jouer. Maniaque. En différent la crainte de se saler, en combat pour un idéal, pacifiste. Elle va servir d'activatrice, j'ai pas le choix. Maladresse, les capacités. Celle-là est nice. Elle est nice, mais elle vise mal, mais on va la prendre pareil. Tête en l'air, non, ça c'est les. Tête en l'air, c'est les pires persos. Je suis désolé, ils sont pas jouables. Parce que aléatoirement, des fois, ça fucked up ton tour, puis tu genre perds un tour, puis ça peut tuer quelqu'un, genre. Elle est quand même. Elle est cool, je vais essayer de la garder. Lien avec Darkness. Les proximités des frères protégés augmentent les capacités défensives. Ok, c'est un Darkness. Son enthousiasme diminue parfois son esquive. Quand Raz n'est pas là, il perd confiance, ce qui réduit sa puissance d'attaque et son esquive. Bradro, la proximité de Raz le motive à s'illustrer, augmentant sa puissance d'attaque et son esquive. Ok. Par rapport à Raz. Mais vu que Raz va tout le temps être là, je pense que je vais le prendre. C'est quoi ton affaire? Curse of quoi? Curse of Vanishing. Non, quand tu meurs, je pense qu'elle disparaît.
Grâce au soin qu'il apporte à son arme, sa précision augmente. Déboussolé. Lorsqu'aucun allié est apposé, il ne sait pas quoi faire, sa défense diminue. Lorsqu'il ne parvient pas à vaincre un ennemi, il se fiche sur place, incapable de faire un geste. Oh my god, ok. Rage folle. De la moitié de ses points de vie, son instinct martial prend le dessus et augmente ses PA. Nice. Approximation de nombreux ennemis, ça augmente sa défense. Nice. Un des Darsken. Approximation des Darsken provoque une tension qui diminue la défense. Bon, ça c'est correct. Refute le tour. Être près d'un supérieur nuit à son humeur, diminuant sa pression et son puissance d'attaque. Elle, ça va être un perso qui va aller de front tout seul. En plus, elle s'appelle Viola. Ouais, elle va se faire violer, là. C'est pas mal. Ben, non, justement, elle aime pas ça être avec des gens. Parfois, sa tendance à l'avérer, ça l'empêche de toutes ses munitions. Surprise. Okay. Réussir une attaque surprise en augmente sa puissance d'attaque. Chargé sous le feu, l'ennemi fait peine qu'une unité et réduit son esquive. Ok, c'est. Ce personnage-là est ridicule, je le veux pas. Corps à corps. La puissance d'attaque augmente au corps à corps. Ok. Code d'honneur. Elle considère que toutes les attaques surprises sont réservées au lâche, ce qui l'empêche d'attaquer. Ah! Elle peut juste pas attaquer. Elle peut juste pas attaquer de surprise. Au milieu des ennemis, ses capacités innées au combat se réveillent et améliorent sa défense. Anti-flingue. Son coup pour les armes à feu diminue largement sa pression avec elle. Elle, ça va. Il risque. D'après moi, là, pour tout de suite, est inutilisable. Mais qu'il aille les armes de corps à corps. Vu que tu peux pas prendre quelqu'un par surprise par corps à corps, elle va détruire le monde. Je vais la garder pour plus tard. My god, est bizarre. Hein? Son masque de fer protège les dégâts critiques des contre-attaques ennemies. Ok. Mauvaise visibilité. Il est difficile de voir à travers le masque de fer, ce qui diminue sa position au tir. Ben oui. Endurance. Subir des tirs d'interception augmente sa défense. Introversion. Être sous les regards de nombreux ennemis la stresse, ce qui diminue sa défense. Moi j'aimerais que t'apprennes juste pour le style. Elle est pas stylée, elle est... unique! On verra plus tard. Laurent. Oh. Bizarre avec les fées. La proximité des femmes le rend nerveux, ce qui diminue l'esquive. Confère une chance de répit des points de vie après une attaque, ça c'est cool. Amitié sincère. Être près de Curtis l'encourage et augmente sa puissance d'attaque. C'est intéressant. La haine de l'Empire aveugle, l'aveugle au combat, ce qui diminue sa pression. Mais c'est un lancier, ce qui n'est pas tant un défaut que ça. Compétence de VTA. Ce confère une certaine chance d'infliger plus de dégâts en attaquant le point faible de l'ennemi. Celle-là autodidacte. À moins de la moitié de ses PV, sa puissance d'attaque anti-char augmente. Douleur paternelle. À proximité d'un allié tombé, lui rappelle son fils et diminue. Oh! Son fils est mort! Après une unité alliée, il les sermonne et se déconcentre, ce qui diminue son esquive. C'est un vieux grincheux. Mais je pense que je vais le prendre parce que les lanciers sont intéressants pareil. Se montre brave face à l'adversité. Les ennemis proches augmentent son attaque. Photo de famille. Pensez à sa vie, augmente son esquive. Échappée belle. S'il manque le point faible d'un ennemi, il le laisse parfois vivre au lieu de le tuer. Oh, mais c'est un lancier, fait que c'est. Anyway, tire une balle, fait que ça change rien. C'est quoi, danger proche? Danger proche. Découvrir un ennemi diminue sa défense. Ce qui est pas tant. C'est pas si mauvais. Lui, ça va être un bon lancier, je pense. Armoire. Sa musculature et sa robustesse lui permettent d'ignorer les attaques, ce qui augmente sa défense. D'accord. Négligence. Confère une chance de perdre des munitions. Après la bataille. Ah, c'est ok. Homme au foyer. Être auprès d'alliés lui rappelle son bien-aimé chez elle et diminue sa précision. Ah, ok. Viola. Elle est amie avec Viola. Ok. Britannie. Maladresse. La capacité à viser diminue. Force maternelle. Recevoir des tirs d'interception augmente la précision et son esquive. Maquillage magique. Probabilité définie de récupérer ses points de vie. Pouvoir aux femmes. La proximité d'homme déclenche une répulsion si forte qu'elle diminue sa précision. D'accord, Brittany. Accro au char. Plus de monde la nuit dans l'eau. Quoi? Plus de monde la Je nuit dans On n'a aucune idée de raté. Voir un char allié détruit diminue son précision et son obsession. Ok, fait qu'il faut pas que les chars alliés soient détruits. Fixette. Son travail
lui donne trop de plaisir, c'est qu'il diminue sa, son PA quand il répare un char. Ok, c'est pas un bon. Conservatrice, Eric, elle préfère garder son Ragnar que de l'utiliser sur un allié blessé léger. Ok, c'est pas si grave. Indépendance. Non, les ingénieurs, c'est pas les healers. Indépendance. L'absence d'alliés à proximité laisse place au calme, ce qui augmente sa défense. Regret. Secours des alliés lui rappelle ses échecs passés et la rend incapable d'agir ensuite. Ah oui! Sénérité, subir des tirs d'interception. Non, on va. Finalement, c'est lui le meilleur. Crâne luisant. Sa tête réfléchit à la lumière et donne sa position, ce qui diminue son esquive. Chevaleresse, sa position des femmes le motive à s'illustrer également de sa défense. Égocentriste, il s'entend à être le centre de l'attention de l'ennemi, ce qui diminue son esquive s'il reçoit des tirs d'interception. Ah ouais, nice. Moi j'ai les crânes tellement chauds que les personnes savent que je suis à cause de ça. C'est horrible. Non, j'ai les crânes tellement brillants, c'est vraiment triste. Repérée par plusieurs ennemis, elle se sent sous le feu des projecteurs, ce qui la tétanise. Admire Fleuret. Fleuret a la motive à s'illustrer, ce qui augmente son esquive. Rituel apaisant. S'accroupir l'apaise et augmente sa défense. Timidité. Sa négativité diminue sa précision. Bon, ben, je pense que eux, ça va être tous des persos quasiment jamais utilisés. Sauf peut-être elle, mais on va pas la mettre en combat tout de suite. Puis on va juste laisser les autres dans la réserve. On va espérer à engager des nouveaux gens. Placer des unités. Pilleur, cynique, loup sanitaire. On va le mettre là. On va mettre un de chaque. Accro au char, pourquoi pas. Bizarre avec les faits, métier 500, haine de l'empée, entraînement. Compétence de vétéran, ce deuil. On va mettre. Déployer. Oui. Allez, capturer ce canon. Détruisez le camp impérial et emparez-vous de leur artillerie lourde. Escadron E. En avant. Fait que là, tu vas être l'escadron E tout le temps ou non? Probablement oui. Je m'attendais à ce qu'il résiste, mais là, ça ne rigole pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas juste foncer la tête dans la tête et dans le tas et défoncer la porte. Si on n'a pas de plan, c'est la déroute totale. Tout d'abord, il nous faut une bonne position. Allez-y, capturez ce camp. Après ça, eh bien, j'imagine qu'on avisera le moment venu. Gastron, escadron E, en avant, feu à volonté. Restez concentré, Claude. Tes capacités de commandement vont être mises à l'épreuve. Il va falloir que tu tires le meilleur de tes soldats. N'oublie pas les bases. Ouais, ça marche, j'y penserais. Je pense que j'ai mélangé ce jeu-là avec un autre jeu parce que je crois qu'il meurt pas pour toujours quand il meurt. Ils sont juste plus utilisables du combat. Genre, ils sont tellement blessés qu'ils peuvent plus genre se fight. Ouais, je pense que c'est ça. Ils meurent pas. Je l'ai mélangé avec XCOM, je pense. Les camps de concentration. Les camps sont établis sur le champ de bataille. Les unités situées près d'un camp allié reçoivent un bonus de restauration de PV et de défense au début de chaque tour. Occuper un camp vous permet d'appeler des renforts et de vous replier. Capturer un camp ennemi en tuant toutes les unités ennemies à l'intérieur, puis utiliser clic gauche à côté du drapeau. Il n'y a pas d'allié dans votre camp d'ennemis. S'il n'y a pas d'allié dans votre camp, l'ennemi pourra le capturer. Il y a deux types de camps, les camps de base et les camps de terrain. Capturez les camps de base ennemis tout en défendant le vôtre pour gagner. Capturez des camps tôt dans la partie pour obtenir de nouvelles capacités qui aideront votre escadron à l'emporter. Actuellement, en ce moment, il y a un char léger. Les lanciers.
Les lanciers sont des armes anti-chars. Leur défense et leur PV leur permettent de passer derrière les chars et de frapper leur point faible. Les lanciers sont résistants face aux joints, aux tirs de mortier et aux grenades. Ils ont peu de PA et sont très lents. Ils sont donc plus aptes à combattre des chars que de partir en éclaireur. Les actions du terrain. Utilisez clic gauche quand les indications affichent près de certains terrains pour effectuer des actions spéciales. Ouais, comme là c'est se cacher. Dans les hautes herbes, vous pouvez clic gauche vous permet de vous mettre à plat ventre et de ramper pour échapper à l'ennemi. Il est également possible de monter aux échelles pour prendre de la hauteur. Une action de terrain est disponible uniquement lorsqu'un message clic gauche apparaît à l'écran. On dirait qu'il dit Americano. Ok. Lance-roquette ready. Fire! C'est cool par exemple, c'est qu'il donne la position. Là je pense que le mieux ce serait d'avancer le tank, puis de l'utiliser comme protection. Oh attends. Les bonhommes savent pas viser hein. Non mais... C'est normal aussi hein. Si genre j'aurais pu exploser puis ça aurait fini. Ouais mais quand une unité voit un ennemi en mode action à la ligne de mire apparaît au-dessus de sa tête, les lignes de mire pointent la direction des ennemis visibles et représentent différentes choses selon leur couleur. Ligne bleue ennemi ne vous a pas vu, ligne jaune l'ennemi vous a vu, ligne rouge l'ennemi vous tire dessus, ligne verte l'ennemi recharge. Quittez-vous avec les lignes. Ouais ok, c'est assez Je vais essayer d'abattre lui, je crois. Mais là, tes bonhommes, t'auras-tu d'autres moments pour recruter ou des... Yes. Ou t'es... Ok. Puis ben, en tout cas... tu pourras recruter des bonhommes plus forts. Mais t'avoue que c'est tout le temps basé sur le 1. Mais les bonhommes, ils deviennent plus forts avec le temps. C'est pas genre... C'est pas genre, ah, ils sont mauvais, ils restent... Genre, ils sont tout le temps comme ça. Généralement, ils deviennent meilleurs, mais t'as tout le temps plus d'options de personnalisation qui se débloquent avec le temps. Genre. J'aurais pu sniper une tourelle à la place. C'est quoi qu'il fait lui là-bas? Je vais juste le laisser. Oh, attends, il y a quelqu'un. Lui, faut que je le tue absolument. C'est trop dangereux. Ouais, non. Pas le choix. On va avancer l'ingénieur là, mais... Ouais, les ingénieurs permettent de réparer, de réanimer. Ok, non, c'est ça. Ils meurent pas, les... Ok.
j'ai esquivé ça parce que je m'en souvenais là. Mais en gros du gros, ils meurent pas les persos. Qu'est-ce qu'ils deviennent d'abord? Ils tombent KO. Puis s'ils restent trop longtemps KO, ils meurent. Fait que c'est large. C'est large en tabarnak là. Normalement t'as beaucoup de temps. Ouais. Ok, ils ont juste 3 tours, ça passe. État critique et restauration des PV. Les unités dont les PV tombent à 0 sont dans un état critique et ne peuvent pas utiliser de PC pour agir. Lorsqu'une unité subit des lourds dégâts, essayez de les mettre hors de danger. Les unités d'infanterie postées près d'un camp récupèrent plus de PV au début de chaque tour. Les chars ne récupèrent pas de PV, sauf près d'un camp allié. Si les PV du char tombent à 0, celui-ci se retire. Ah, c'est ça. Fait que je pense qu'ils peuvent mourir, mais juste si vraiment je fais vraiment de la merde. Je peux tirer, mais c'est juste. J'aurais voulu faire le quoi de plus. Plus efficiency, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, fait que c'est normal que. Deux. Je pense que je vais juste faire ça comme ça. Ça marche. Ça marche bien pareil. T'as ton cul devant lui. Ouais, mais j'ai juste à l'abattre rapidement, puis ça devrait être correct. Comme lui là. Se lever. Même que j'aurais pu me démarder autrement, mais. C'est pas bien plus grave que ça. Comme là. Comme une action. Puis là, vu que je veux pas qu'il meure. Il y a deux tours, c'est quoi? Je peux donner autant de tours au même personnage que je veux. C'est juste que moins d'endurance, puis il peut avoir des effets divers à force de. Merde. Ah oui, c'est ça. Il peut avoir des effets divers à force d'abuser du temps, genre. Puis là, comme là, lui, faudrait que j'essaie de le tuer. Mais pour le tuer, je suis obligé quasiment de me rapprocher. Comme ça, je devrais être mieux. Ça prend encore 4 tirs. Ah, oh, tabarnak. Il y a une balle dans la tête ou non? Oui, c'est une balle dans la tête, mais c'est une balle dans la tête dans le cage. Genre. Parce que les armes perdent la force avec le temps. Mais pas de la force, mais. Pas avec le temps, mais avec la distance, il perd de la force. Comme là, on a vu un effet d'être seul, genre, ou quelque chose. Ouais, je me rappelle plus c'est quel. Comme là, live up, je peux juste faire ça comme ça si je veux. Ça sert à rien, mais au moins, je gaspille moins de balles. Ben, je gaspille moins de tours. Je pense que le mieux c'est encore de l'avancer lui. Bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne. Commence par là, ok. J'ai trouvé du monde avec des tridents. La mauvaise, t'es morte. Non, la mauvaise, c'est je suis comme à. J'ai... Il m'a descendu jusqu'à un demi-cœur, parce que quand j'ai enfin mangé. Là j'ai peur parce qu'il s'en vient proche. Puis on peut pas l'attaquer, j'ai pas de shield. Fait que genre, à chaque fois que j'approche, il me fucking aiguille, t'as un trident dans la tête. Mais là, Dorothée, faut tout le temps que t'amènes un shield. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas intelligente. Ah ben là... Pourquoi je vais pas le taper dans l'eau? Ok. Oh shit. Oh.
excusez, c'était la fin de mon interruption. Fait que là, j'ai plus d'épée, c'est ça? Non, je suis pas mort. Il est sneaky par contre. Ok, t'es avec l'épée de fil? Ouais. Je pense pas qu'il y a autant peur. Merci Félix de croire en moi comme ça. Ça fait plaisir. En fait, c'est littéralement comme le premier, sauf que c'est mieux dessiné, je pense. Les renforts. Les soldats non déployés attendent dans la réserve. Les unités en réserve se déploient depuis les camps alliés en renfort. Choisissez un camp en mode commandement, puis center. Ok. Une comment fois tu les... vas faire pour le tri, pour avoir le trident? Taper avec l'épée à Philippe. Les demandes de renfort sont annulées si le camp est capturé, avant que les unités en réserve ne soient déployées. L'ennemi peut aussi appeler des renforts. Le seul moyen de les empêcher consiste à vite s'emparer des camps ennemis. Ah! J'en ai su 3 pis y'a aucun qui est là. Oh l'ennemi donc! Le fait que... Là ça c'est une faille du jeu assez grosse. Le fait que j'étais à couvert puis que j'avais un allié a augmenté énormément ma défense. Fait que ça a sûrement aidé à rester en vie, sauf que c'est très drôle comment c'était pas réaliste. Je vois un ennemi arriver en courant vers toi, il réagit pas. Il attend de se faire tirer dessus pour lui tirer dessus. Ouais, mais, normalement c'est... Normalement ça se passe pas de même là, mais... Les grenades, oui. Si vous avez fait... Si tout est pareil comme le premier, Donc là, je suis même pas sûr d'avoir besoin de la grenade, frère. Ouais, ouais. 10 coups pour tuer. Ok. Ça, c'est combien de coups pour tuer? Un. Terminé l'action. Va falloir que j'amène ma sniper là. En fait non. Ce que je vais faire. Bye. Blam. Non, nice, super un tour. Les chefs vaincus. Lorsqu'un chef est vaincu, ses PC sont réduits à 0. Son commandant reçoit moins de PC au début de sa phase. Les alliés et les ennemis ont des chefs. Claude Raz, son chef de l'escadre d'entre eux. Protégez vos chefs en cherchant les anéantissements des chefs ennemis pour réduire leur réserve de PC. Ok. À date, c'est toujours la même chose. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais. Genre, c'est pas spécialement plus complexe. On peut pas. Ah, oh, bro, tu me niais, je suis obligé de faire le tour. J'ai compris mon micro HD. Shikata ne na.
les replie. Un maximum de 10 unités d'infanterie peut être déployé sur une carte au-delà d'un possible de play terrain. Vous pouvez remplacer les unités sur le terrain par les unités en réserve. Retraite. Ok, retraite. Évacuation. Les retraits forcés coûtent un PC comme les points d'une terre. De la tarte aux pommes. Juste la tarte aux pommes. Bah, okuto palo, trevelera. PS, les bonus de morale. Éliminer un ennemi ou capturer un camp ennemi pour conférer un bonus de morale. Il augmente les chances d'activation de potentiel et d'esquive. La prochaine action y met fin. Si une unité est sous le feu ennemi, vous pouvez préserver le bonus de morale en ne faisant aucune action durant ce tour. D'accord, fait qu'il y a une nouvelle. Il y a la nouvellement gestion du morale. Bon, enfin un truc nouveau. Et c'est juste ça le premier truc de nouveau que. Potentiel. Fortification des défenses. Accrocha. Ben, les graphismes sont plus beaux aussi, mais. Ouais, ben ça c'est juste normal. Attends, quoi? Ah, oh, c'ti. Je m'étais trompé de. De touche, fait que j'allais crever juste à cause de ça. Camp ennemi capturé. Ils sont bien trop bien fortifiés, même avec les camps, nous on ne pourra jamais avancer dans ces conditions. On est mal, Claude. Si ça continue, on va se faire massacrer. Et ça va bien à date. Allons, on a Kayali et Brilta. C'est toujours mieux que de couper ici et mourir, non? Non, un assaut frontal est bientôt dangereux. On doit rester à l'abri. C'est facile à dire pour toi, bordel. Si seulement on avait le soutien de l'artillerie. Il doit bien avoir une brèche quelque part. Tenez bon, je vais trouver un moyen de passer. Mais une nouvelle condition de victoire. Une unité alliée atteint la cible. Des renforts ennemis sont apparus. Ok, tout le monde a été TP ici. Puis la tour a été respawn. Oh. Fortification, précision antipersonnelle. Je vois pas du tout pourquoi la mission se passe en deux phases de même. Il y a un bonus de morale, faut qu'on. Ah, on va le prendre. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'on est censé faire, bordel? Ça se chauffe pour toi, Cendrillon? Attends, Cendrillon, quoi? On n'est pas dans un conte de fées. Hein? J'aimerais bien aller au bal du château, mais je n'ai pas de citrouille, encore moins de carrosse. Sérieux, qu'est-ce qui t'arrive, Claude? Simp. je ne suis peut-être pas une fée marraine, mais j'ai 2-3 tours dans mon de magie dans mon sac. T'es magie, hein? On aurait bien besoin si ça existait vraiment. Des renforts sont arrivés. C'est quoi ça?
Les grenadiers. Ah, ça, c'est une nouvelle classe. Les grenadiers lancent des explosifs en courbe avec leur mortier pour atteindre les ennemis à couvert. Les grenadiers peuvent intercepter les ennemis à couvert tant qu'un allié peut les voir. Les tirs d'interception ralentissent les déplacements de la cible. Les grenadiers ont une puissance de feu importante, mais il faut du temps pour se mettre en place et viser enfin. Ils sont très violents lorsqu'ils n'utilisent pas leur mortier. Et ne les laissez pas se faire coincer sous les feux ennemis. Rangez un mortier avec clic gauche. Les coordinations avec les classes mobiles et vitales sont ces unités d'appui de feu. Ah, ok, c'est ça la. Ok, plus je peux monter ma cam. Pour tuer quelqu'un. Ah, mais c'est quand même cool. Ça, c'est une nouvelle classe entière. C'est une très bonne idée, vraiment. Potentiel. Restauration des munitions. Modifié. Pour tuer, qu'une seule. Potentiel. Baisse de la précision. 3 à l'erreur. Ah si! Bon, ça passe. Ça a l'air d'être LA classe pété du jeu. Ça one shot tout pis ça peut se déplacer. Ben... Tabarnak. Ben là, vu que c'est nouveau, j'en surabuse là. Mais ça a l'air d'être... Restauration. En plus, l'affaire c'est que elle... Ce perso là en particulier a une capacité spéciale qui permet de restaurer les munitions. Ce qui est... totalement pété, c'est broken. Mais ça, c'est un personnage que t'auras pas, je veux dire. Ça peut être un perso que j'ai. C'est pas la première fois que je. Le premier jeu donnait des persos très forts. Par exemple, là, elle a un bonus de morale, mais elle s'en vient fatiguée niveau PA. Genre 3 fois de suite qui t'a fait déplacer. Ouais. Non, ça fait quasiment 6 fois de suite. Donc le next one, ça va être lui. Ouais, fait que c'est le dernier, c'est lui. Hey, c'est loin de la portée où c'est que Bravo. Ouais. Ah, fallait bien que j'en mette un. Par exemple, là, elle a plus de munitions. Donc là, j'ai terminé ma phase. Phase ennemie. Ouais, mais. Tu t'es régénéré combien de munitions? Ah, parce qu'en plus, elle peut Counter-Strike. Oh my god. Je suis raté les gars. Ouais. Je fais. Donc là, faut juste j'envoie. Anyway, mon tank peut plus avancer. Parce qu'on voit ici qui est bloqué. Fait que le mieux, ça va être d'avancer avec J'allais dire un comme ça, mais c'est pas ça le vrai nom. C'est peut-être pas le meilleur perso. Hein. Je
Je m'en viens avec popé de médaille par exemple. Ça devrait vraiment... Bonus de morale, évidemment. Bon ben rip. Un autre médaille de moins pour eux autres. Bon là, faut m'avancer, pas aller dessus lui. À des balles? Rangé. En fait, le principal défaut, c'est que comparé à toutes les autres, visée est lent. Ce qui fait qu'elle peut se prendre quand même popper de balles avant de pouvoir faire le quoi. Oh, elle lui reste pas beaucoup de PV, hein. Ouais, comme là, elle reste de se faire Counter-Strike si je fais ça rien. Ouf. Ça prend 80 balles pour le tuer. Ouch. Plus que 77. Je pense que ma sniper devrait pouvoir faire de quoi. Il aurait juste fallu un coup pour l'avoir. Ouais, je pense que je peux jouer plusieurs fois le même perso parce que... Potentiel. Fortification antipersonnelle. Parfait. Nice! Headshot! Quand t'as dit... Ça explose même quand tu tires une balle de sniper. Ouais, mais... Simplifié, là. J'ai eu 4. Je pense que je vais juste me mettre là. Puis je vais la protéger avec un perso littéralement devant elle. Putain, comme ça. En fait, son défaut c'est ça, c'est qu'elle est très 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 lente. Je vais mettre fin à ma phase. Là, je sais pas ce qui va se passer pour la phase ennemie. Il y a quelque chose qui se déplace. Aïe aïe aïe. Ah, c'est un sniper, ok, ça passe. Ok, fait qu'ils ont plus de tour. Mon lancier, ça peut à rien, lui aussi. Ah non, lui, faudrait qu'il soit. En fait, juste pour recharger tout le monde, ce serait mieux qu'il vienne. Il a donné des balles, c'est ça? Non, je l'ai soigné. Soigné? Ouais. Puis là, ce que je vais faire, c'est là donner des balles. Faut juste que j'aille en contact avec les persos. Ça donne des balles. Puis là, tout le monde a des balles. Accroupir. Bon, malheureusement, je peux pas le toucher, mais je vais m'arrêter là. Mademoiselle, c'était un petit peu soigné. Là ici il y aurait un truc là, mais moi ce que je pensais faire, c'est juste avancer.
Parce que j'ai pas de bonus en tuant tout le monde. Fait qu'on va aller voir ce qu'est-ce qu'il y a là. Nu, à nu. Bon voilà. Gagné. Ok, on est passé. Continuez de progresser, capturez-moi ce canon. Pourriture fédérée, on ne laissera pas le sang, la sueur et les larmes du peuple de l'Empire couler pour rien. Gloire à la mère patrie. Tout le monde, à quoi? Ils se sont suicidés. Wow. Ok. XP, DCT. Suicide. Un nouvel épisode a été ajouté. Tu as fait forte impression durant la dernière bataille. Le QG t'envoie une petite récompense. Les récompenses. Vous obtenez des récompenses en remplissant des objectifs en combat. Notamment des armes et des accessoires. Chaque bataille a sa propre récompense. Les récompenses et les butins sont limités en nombre et vous ne pouvez pas en utiliser plus que vous en avez. Obtention d'un accessoire. Kipi de patrouille. Les préférences de vos soldats ont changé. Déjà, je vais sauvegarder. Pogné, il t'a bugué, je pognais là en dessous de l'eau. Tabarnak de Stalliste. T'es morte? Ouais, mais c'est parce que je suis morte au milieu de nulle part. Puis j'avais ton épée à cause d'un fucking bug. C'est quoi ton bug? Je t'ai pogné dans le mur. En dessous de l'eau. C'est pas un bug doroté, c'est quand tu fais. Comment ça? C'est la physique du sort puis du gravier qui est dégueulasse. Ça aurait me dire que je serais sous l'eau. Je serais pas capable de comme, sortir d'un morceau de gravier. Ben genre. Comment ça? Si y a un gravier qui a bougé, t'as comme de l'aspiration vers le bloc. Faut que t'aies un saut vide pour pouvoir t'en sortir. Faut que t'aies plein de sauts vides. Ben t'as un saut vide puis tu spam clic droit pour avoir de la respiration. Ouais, faut que je retrouve où est-ce que j'étais. Ouais. Mais au moins l'équipement flotte, fait que c'est déjà ça. Moi je pense pas que l'équipement va flotter. Quand je vais revenir parce que j'étais genre à moins 1100 kek. Félix, c'est où ton usine? Tu veux venir avec moi? Je peux venir, mais je suis. Ok, tu t'essayes pas d'aller le récupérer, tu fais juste laisser ça là, tout ça. Non, je vais aller, crème, il y a ton épée, mais je veux comme de l'aide parce que je sais pas c'est où. Mais ça m'a pris plus que 5 minutes de me rendre où que j'étais, en fait. Ouais, fait que je vais aller essayer de le trouver. Ben non, mais je m'en viens, c'est juste que je pense pas que je vais arriver à temps. J'ai peur. Faut que tu notes tes coordonnées de roter quand tu vas quelque part. Je m'attendais pas à être poigné dans un mur. Ben. Le pire, c'est que je calculais mes bulles. J'étais rendu. Ok, genre, je remonte à moitié des bulles parce que j'avais trop peur de mourir sous l'eau. Fait qu'à moitié des bulles, j'ai recommencé à remonter. Puis ça a fait genre. T'es pas à l'aise dans l'eau, genre, dans le jeu ou. Je suis pas à l'aise dans l'eau en général, ça me fait vraiment peur. Dans ta vraie vie aussi. Ben, genre, dans une piscine, ça passe, mais genre, dans le. L'océan, moins. Pourquoi? Ça fait peur de l'eau, man. Une peur qui existe là. On va dire. J'en bouille, j'ai l'équivalent de 6 océans dans l'estomac là. Ouais, je sais, mais t'es 6 océans, y'a pas genre fucking un monstre de 6 pieds 7 au fond là. Y'a pas de monstre de 6 pieds 7 dans l'eau. Ben peut-être pas dans Minecraft, mais dans la vraie vie, ils sont faits pour bien plus. Ouais. Sont bien plus thick que 5 pieds 7. Pas si agressif que ça. Genre fucking 95% de notre océan est juste pas exploré puis on est genre sais-tu quoi si on l'ignore assez longtemps ça existe pas. Ouais mais c'est pas si pire je trouve. En tout cas. Je vais aller mon petit bout là. Voici donc ce mortier de 210 mm. Ou ce qu'il en reste. Il aurait pu se rendre. Protéger ses missiles de métal. J'essaie de retourner à la base du dodo.
Hein? Ils ont choisi la base. J'essaie de retourner à la base. Je vais essayer d'aller chercher stuff à Philippe et je vais venir par chercher. Chaque personne qui part à la guerre sait qu'elle ne peut jamais en revenir. Mais si j'avais été à leur place, je ne pense pas que j'aurais pu appuyer sur les gâchettes. Nous ne nous battons pas pour mourir, nous nous battons pour vivre. Ces hommes sont morts pour le pays, je respecte ça, mais quand même. Ouais, une arme, ça se remplace, pas une vie. C'est vraiment le fun, l'existence du bouclier. Et en parlant d'armes, pas mal ces nouvelles armes que les enfants ont emportées. Hein. Ouais, elle était portable, mais envoyée du lourd. La taille ne fait pas tout, on dirait. La toute dernière technologie avec la portée d'un char. Tu n'avais jamais vu une de ces beautés, et moi qui pensais que tu faisais partie de la crème de la crème. Ah, on devrait ça, c'est-tu? Elle se prenait avec un pack de C4. On appelle ça des mortiers. Une baguette magique qui exauce les désirs de tout soldat. Génial, n'est-ce pas? Tu vois ce que je vois, ça serait pas... Un nouvel épisode a été ajouté. Voir l'épisode, évidemment. Combien de temps ça prend avant que tes objets disparaissent? 5 minutes. Dites qui est responsable de cet escadron. Je veux dire que je suis impressionné par sa fierté à changer de tactique en cours de mission. Eh bien, Ah, Rats? Que fais-tu dans l'armée d'Edimbourg? Nous nous sommes engagés ensemble pour protéger Galia. Incroyable, Lina! Le monde est petit, pas vrai? Oh, désolé. On m'appelle Kemet, désormais. Hein? Ok? Mais c'est ton... Riley. Je ne comprends pas tout, mais ok. Va pour Kai. Je suis content de vous voir. Quelle était la chance de retrouver des amis dans une zone de guerre? Aucune idée, mais comment t'es-tu retrouvé dans une opération conjointe? Puisque tu demandes si gentiment, je suis le lieutenant Ryler Miller. Après mon diplôme d'ingénierie en Red Knight, je me suis engagé dans l'artillerie. J'ai été transféré temporairement de l'artillerie pour cette opération conjointe. Tant que je serai, j'apporterai l'appui de feu dont vous aurez besoin pour abattre l'Empire. Ma connaissance sert votre puissance. Exactement ce dont notre excédent avait besoin. Merci pour ton aide, Riley. Bon, qui commande? Je voudrais me présenter. À propos de ça, il n'y a pas que nous deux dans l'escadron. Hein? Il y a aussi Kai, tu dis, ou... Riley, je suis le commandant de l'escadron E. Oh, tu es plutôt jeune pour un officier. Mais j'ai été impressionné. Et ma connaissance sert votre... Ok, je suis retourné à la base. Voilà. Non, ça fait 5 minutes. Hein. Ouais. Ouais. Je m'excuse, t'es là. Ouais, c'est pas grave. M'aller miner de la netherite. Je vais te refaire un épée. Mais aller la réenchanter. Ça risque d'être long à avoir toutes les propices à ça. OP fait autre chose en attendant. Là. Je me suicide. Non, non. Tu vas avoir beaucoup de temps à passer. Fais un autre truc en attendant. Je t'écris ça un autre jour. Veux-tu 400 piastres cash? Non, non. Peut-être que ce serait mieux que tu essaies d'être plus à l'aise dans les environnements. Dans les différents environnements. Surtout l'eau, si tu veux te promener dans l'eau. C'est juste un trident. Ouais, mais c'est ça. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ça, je te dis. Fait que tu sais. Faire slash give trident. Non, parce que c'est trop facile, sinon. Là. Si tu joues un peu fair play, là. C'est tout ce que tu as à me dire. Je n'arrive pas à croire que je vais recevoir des ordres de ce Kuka. Quoi? C'est hors de question. Eh bien...
qu'il y a de la chicane, mais on sait pas pourquoi. La libération de Rhin. Un nouvel épisode a été ajouté. Bague de bravoure lors de la capture de Fort Crest, tu as gagné cette médaille. C'est un bon début. Dans la maison. Médaille de service de Crest. Écoutez tout le monde, je vous présente le nouveau membre de l'escadron E. Connor Doretti, je travaille sur mon roman, enfin, récit de guerre non fictif. Ravi de vous rencontrer. Ryan Ford, mercenaire, vous payez, je tue. Claude a éveillé un nouveau potentiel, gêne. Les préférences de vos soldats ont changé. Déco obtenu pour Afren, permis d'apprenti. Comment tu disais, Dorothée? Hein? Ok. Je suis désolé. C'est 400 cash. Oh non, c'est correct. Northern Cross 作戦の発動から2ヶ月. Depuis deux mois, les débuts de l'opération Croix du Nord, les forces élites et la Fédération de mon escadron repoussent l'Empire une victoire à la fois. Puis il avance en territoire impérial. Plus il était compliqué de maintenir la chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi la Fédération établit une série d'avant-postes le long de la ligne de front, notamment la base Linder. Occupe par la voie 101, la 101e division, cet avant-poste allait devenir un carrefour logistique vital pour les batailles à venir. Un nouvel épisode a été ajouté. Ouais, c'est notre nouvelle base. Incroyable. Apparemment, cette installation peut accueillir plus de 3000 soldats et 100 chars. De plus, il contient assez de nourriture, carburant et munitions pour représenter tous les escadrons sur le front. Impressionnant. C'est un rêve qui devient réalité. Je pourrais même penser que nous sommes toujours sur le territoire de la Fédération. On dirait que les hauts gradés font du bon boulot quand ils en donnent les moyens. Mais c'est quoi le problème alors? Toutes ces ressources et on est coincé avec un char en ruine. Pardon, notre escadron s'occupe parfaitement bien du FN. Je comprends mieux ce qu'on attend de nous durant cette mission. Tu m'étonnes avec tout ça, les Éperons vont bien se sentir passés. Non, ce n'est pas le sommet de l'iceberg, mais tout ça risque de ne pas être suffisant. Bon, vraiment, ne nous gâche pas la fête, commandant. C'est qui ça? Drôle de coupement. Ce sont des uniformes de la marine, pour une surprise. Que font des marins si loin des terres? Oh, je les admire d'avoir fait tant de chemin à la nage. Mais un peu ce cul, je lui larguerais bien les amarres. Je suis en train d'aménager un tout doux, Hats. Je vais juste lui parler, mais c'est la classe, quoi. Ah, oh, j'aimais bien faire ça. L'inconnu. Mais là, je vais inonder un peu ma maison, fait que... Pourvu qu'il ne s'attire pas d'ennui. Rien n'est moins sûr. Ouais. On a encore du temps avant la réunion. Je vais explorer un peu les environs. Entraîner une nouvelle des unités, développer une nouvelle arme. Entraîner vos soldats pour améliorer un peu les compétences au combat. Ah, te voilà, Claude. On m'a chargé de l'entraînement de l'escadron E. En tant que garde, je donne des instructions à chaque classe de combat. L'expérience qu'on acquiert sur le terrain perfectionne nos compétences. Toutes les classes doivent progresser. Chaque fois qu'une classe fait une avancée, tous les membres de cette classe bénéficient d'une amélioration. Entraînement. Dépasser l'XP au terrain d'entraînement pour les différentes classes. Améliorer une classe renforce à tous les membres de cette classe. Grâce à son E au top de sa forme en dépensant de l'expérience aux entraînements. Maintenant, montre-moi de quoi vous êtes capable. Ah, Dodo, quand j'ai fini de mettre mes trucs, je vais pouvoir te montrer mon musée. Ouais.
Bon, on va commencer par faire un niveau tout le monde. Tu veux farm C'est pas encore fini, graines. Vous allez gagner, oui ou non? Je sens toi d'où je dois le faire. Des graines, admettons, que tu mettons tu. Le gazon, tu le détruis. Vous avez fait des progrès. Bien joué. Superbe, les viens ont éveillé un nouveau potentiel. Les troupes ont franchi une étape aujourd'hui. L'apprentissage d'un nouvel ordre est disponible. Vous avez obtenu. Vous avez pris bonus d'esquive. Cet ordre augmente l'esquive d'un allié. Une équipe d'assaut au niveau max. Et pourquoi pas les grenadiers? Les éclaireurs. Hop. Allez-y, repoussez vos limites. Quel niveau? Vous avez fait des progrès. Bien joué. Tiens, les soldats ont trouvé un nouveau potentiel. La proximité d'ennemis augmente l'esquive. Pousse anti-varna. Augmente la puissance d'attaque contre les cibles humaines pendant une durée précise. Vous avez prouvé votre valeur. Appliquez ces arguments sur le champ de bataille et revenez quand vous serez prêt. Ah oui, laissez-moi te parler des potentiels et des ordres. Lorsque les classes de combat gagnent un niveau, les soldats peuvent accéder à de nouveaux ordres et potentiels. Les potentiels témoignent des tendances et aux traits des soldats, ou du moins de la façon dont ils manifestent au combat. Les ordres sont des commandements que toi seul peux ordonner, soit à des soldats individuels ou à tout ton escadron. Les trucs avec les ordres, tu comprendras sûrement mieux avec cela pratique. Bonus de défense. Utilise les ordres judicieusement pour faire pencher la balance. Observe le combat et donne des ordres adaptés. Fais tout ce que j'avais à dire. Je n'attends que le meilleur de ta part et de celle de l'escadron E. Choisissez des membres de l'escadron et modifiez leur équipement. Voici donc le plan. Notre déploiement face à un doute chargé en fonction des exigences de la mission. Il ne faudra toujours le bon équilibre des spécialistes de combat. Je devrais passer en revue les forces et faiblesses de chacun. Mais d'abord, je vais regarder l'escadron dans son ensemble. Ça, le commandement. Le commandement permet de choisir les unités actives, sélectionner et gérer l'escadron. Ok. Prenez en compte les classes d'affinité entre. Ouais. Ok. Pièce de char. Pièce de camo. Changer de déco. J'aime mieux avoir de la précision. Je m'en bats les couilles de la défense. Ah, j'ai un deuxième grenadier. Oh, tout le monde vise mal, Félix. Képi de soldat, plus de PV. Plus de PV serait parfait pour un healer. Képi de patrouille, let's go. Pièce de char, gérer l'escadron, ça je l'ai déjà fait. Auteur mal aimé. Inspiré de Ferret, à moins de la moitié de ses PV, son inspiration d'écrivain augmente sa précision et sa défense. Auteur mal aimé. Pire que l'angoisse de la page vance, les critiques. À moins de la moitié de ses PA, sa défense diminue. Logistique douteuse. Peut diminuer sa puissance d'attaque d'anti-char, mais ce qu'il affirme que c'est pour l'expérience de la guerre. Ouais, on va attendre avant de faire de l'anti-char. Ça devrait aller pour le moment. La préparation est une étape cruciale du combat. Je pense que je vais passer beaucoup de temps ici. Entraînement complexe R&D. Wow, Claude, regarde un peu toutes ces pièces d'armes. Quelle chance de travailler dans une base d'opération avancée de la Fédération pour élaborer de nouvelles armes. Fais-moi signe si tu veux un jeu améliorer quoi que ce soit. Armement de char, armes infanterie, n'importe quoi. Nous allons construire toutes sortes d'armes et rendre notre équipement encore plus puissante. Le complexe R&D.
Développer de l'armement pour les chars de l'infanterie en déversant vos DCT. De nouvelles armes sont déverrouillées selon votre progression dans le jeu. Développer de l'équipement. Développer de l'équipement pour forger un nouvel arsenal d'infanterie. Après avoir développé des fusils mitrailleuses, grenades et autres armes, toutes les unités pourront s'en servir. Vos soldats utilisent ces armes bénéficieront automatiquement des différents bonus attribués à celles-ci. Tenue standard. Amélioration de l'uniforme. Je pense que déjà de base, avoir un meilleur uniforme pour tout le monde. Attends, la première d'une longue série, c'est quoi ce succès? À utiliser comme... Ok. Ouais, cacher l'œuf, c'est presque dommage de l'utiliser. Ok, fait que là, pour tout de suite, sûrement que je peux pas aller meilleur. Tenue de combat. Ouais, là, c'est génial. Attends, je vais prendre une petite photo avant que vous disparaissiez toutes les deux. Équipement, tenue standard, tenue anti-explosion. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui se passe dommage à l'utiliser? Il y a Chrisma d'upgrade. Okay. Fusil. Fait que une amélioration de fusil de base, c'est correct. Ah, Phil, j'ai trouvé un chat. T'as-tu de l'est? Non, c'est ça. Ben, j'allais le rechercher. Parce que le mieux, c'est pour essayer de trouver ça. Les creepers. Ben, pour les creepers, c'est pratique, ouais. Là-bas, j'allais juste chercher des algues, mais j'en ai trouvé un sur le chemin. Puis j'ai trouvé un poisson spécial. On va améliorer le gun. Ouais, là, c'est génial. Ouais, ok. Ça sert à rien de checker chaque phase qui existe tout à l'heure. Lance un char. Okay. Développement pièce de char. Amélioration de caisse, obus, renforce. Soutien d'attaque, amélioration de la visée. Ah, ça c'est important. Ouais, ça va être important. Ça c'est. Mais ça, je vais tout équiper. Anti-personnel, anti-blindage. Je vais tout de suite l'équiper. Là. Parce que si je fais attention, il n'y a pas de raison de se stresser. C'est exaltant, non? Quand nous sommes prêts. Ok. Entraînement, mode livre. Oui, mode livre. Un nouvel épisode a été ajouté. Les intermèdes ont été ajoutés. Tutoriel, annexe. Certains épisodes sont livrés après avoir installé du contenu téléchargeable. Le complexe R&D a été ajouté. Sur le quartier général. L'entraînement de R&D nécessite de l'XP et des DTC pour la mission du développement des armes. Allez au QG après avoir gagné de l'XP pour préparer les prochaines batailles. Accédez au quartier général dans l'onglet Mode Live ou Eshop pour voir nos menus. Les escarmouches ont été ajoutées. Les escarmouches. Lancez une escarmouche quand vous voulez pour gagner de l'XP et du DCT. Des cartes apparaissent à mesure que vous avancez dans l'histoire. Alors entraînez-vous aux escarmouches. Accédez aux escarmouches depuis l'onglet Mode Live ou avec échappe pour OK. Lorsqu'un membre d'escadron est tué ou en combat, il est mort pour de bon. Il n'est plus jouable dans l'histoire principale. Un nouvel intermède a été ajouté. Le mess a été ajouté. Les quartiers privés ont été ajoutés. Les nouvelles escarmouches ont été ajoutées. Le personnel a été mis à jour. L'arsenal a été mis à jour. Les glossaires ont été mis à jour. Les articles de presse ont été mis à jour. Tabarnak. Bon. Il y a beaucoup de mises à jour, ça va. Échappe. Quartier général. C'est quoi ça? Oui, allez au quartier général. Messe. C'est quoi les messes?
Qui est-il, Claude? À ta tête, on dirait que tu viens de perdre une bataille. Je suis heureux que nous ayons gagné, bien sûr, mais voir mes frères tant blessés là-bas. Nous ne sommes plus aucun entraînement, c'est la guerre. Si ça suffit de te casser le moral, tu n'as aucune chance de tenir quand les bombes commenceront à pleuvoir. Je sais, la guerre fait couler le sang et provoque la mort. Mais ce n'est pas moins douloureux de voir partir un camarade que l'on aurait pu sauver. Je comprends ce que tu ressens, mais soigner les blessés est la responsabilité des médecins, pas la nôtre. Oui, sauf qu'ils sont trop loin pour arriver à temps. Parfois, on court à toutes jambes pour aller chercher de l'aide et on arrive quand même trop tard. Je ne peux pas te contredire là-dessus. Si seulement on pouvait prévenir que j'ai de l'urgence de la situation, peut-être comme ça. Le mess. Discutez avec vos camarades au mess pour apprendre de nouveaux ordres. Apprenez de nouveaux ordres avec l'XP pour avoir un avantage au combat. On demande un médecin coûte 5000 d'XP. Je peux pas, sûrement. Passer d'expérience. Je pensais que nous étions proches d'un ordre très utile. Bon, préviens-moi si tu changes d'avis. Les mess. Je lag tellement, c'est pas le fun. J'allais restart mon routeur, j'avais. Ok, quartier privé, ça non plus j'avais pas vu. C'est quoi ça? Les quartiers privés. Visitez vos quartiers privés pour avoir des informations sur le jeu et suivre l'appréciation de l'histoire. Personnel. L'encyclopédie. Consultez les menus personnel, arsenal et glossaire pour plus d'infos sur les personnages, armes et termes du jeu. Retournez-y de temps en temps pour voir de nouvelles informations obtenues au fur et à mesure que vous progressez. Oh my god, ok. Claude Wallace, lieutenant de l'armée d'Inmindung, 22 ans, commandant de l'escadron E, vient de Hafen en Gallia, sensible aux changements météorologiques. Je peux changer cette tenue? Riley Miller, sous-lieutenant de l'armée d'Emmingbourg, 21 ans, grenadier à l'escadron E, vient de AFM en Galia, semble avoir une histoire commune avec Claude. Ratz, sergent de l'armée d'Emmingbourg, 23 ans, chef de l'artillerie de l'escadron E, vient de AFM en Galia, athlétique, c'est un soldat très compétent. Kay Schundlen, sergent-major de l'armée d'Emmingbourg, 23 ans, chef de l'artillerie de l'escadron E, vient de AFM en Galia, raffole du pain à peine sorti du four. Minerva Victor, lieutenant de l'armée d'Emmingbourg, 22 ans, commandant de l'escadron F, nommé lieutenant senior et dirige tous les autres commandants d'escadron. Miles Amberg, sergent de l'armée d'Emmingbourg, 20 ans, opérateur de char de l'escadron E, il a un talent indéniable lorsqu'il s'agit de piloter un char. Christelle Ward, caporal de l'armée Emmingbourg, 22 ans, éclaireur de l'escadron F, subordonné de Minerva, et soldat très compétent. Karen Stewart, caporal de l'armée Emmingbourg, 17 ans, médecin de l'escadron E, aîné d'une famille nombreuse, elle a quitté l'école et s'est engagée pour aider les siens. Ragnarok, 10 ans, chien de sauvetage de l'escadron E, mâle sauve les soldats blessés. C'était un chien errant, mais il est très intelligent et très courageux. Curtis Blackwell, éclaireur de l'escadron E de l'armée d'Emmingbourg, 18 ans. On le croit froid et stoïque, mais il est juste timide. Il a une petite sœur nommée Elian. Godwin, éclaireur de l'escadron E de l'armée d'Emmingbourg, 35 ans. Pilleur cynique, sarcastique et irritable envers tous. Il ne fait confiance à personne. Jester Money, éclaireur de l'escadron E de l'armée d'Emmingbourg, 43 ans, un optimiste qui encaisse les coups, a un fait pour le jeu, ce qui lui a valu des têtes. Rosetta Valendriano, éclaireur de l'escadron E de l'armée d'Emmingbourg, 28 ans, travesti, son nom est Rossano, il combat pour mettre fin à la guerre et la discrimination. Teresa Leach, éclaireur de l'escadron E de l'armée d'Emmingbourg, 19 ans, étudiante qui veut devenir docteur, très intelligente, elle est sérieuse et studieuse. Nico Emery, éclaireur de l'escadron E de l'armée d'Emmingbourg, 16 ans, jeune fille honnête et travailleuse, confiante, elle pense que tout le monde peut être bon. Millenia Hudson,
Éclaireur de l'escadron, de l'armée des Minbour, 26 ans, jeune femme douce qui n'a rien à faire au combat. Elle a une bonne raison d'avoir rejoint l'armée. Saiga, soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 18 ans, Tersken, se laisse souvent emporter en pleine action. Bras droit de Ratz, enfin, c'est ce qu'il dit. Scott Aldis, soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 24 ans, un homme simple qui prend tout littéralement et suit les ordres à la lettre sans broncher. Ryan Ford, soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 63 ans, mercenaire aguerri. Il aurait participé à d'importantes guerres et mené son camp à la victoire. Viola Bryce. On est en 1.16 point quoi? 1.16.5. Merci. Soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 20 ans, combattante vicieuse, elle adore le combat et recherche toujours de nouveaux défis. Amy Mistral, soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 21 ans, travaillant comme mercenaire et chasseur de primes, peut-être usée, violente et opportuniste. Fleuret Vailos, soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 21 ans, sérieuse, franche et légèrement entêtée, pour le meilleur comme pour le pire. Ferrier Blancheur, soldat d'assaut de l'escadron E, armée des Minbour, 17 ans, elle cache son visage derrière un masque de fer. Quelle que soit la raison, elle n'en parle pas. Laura McLeod, armée des Minbour, escadron E, 18 ans, très impliqué dans sa cause, courageux, il croit au pouvoir de la justice et de la vertu. Kelgen Oman, armée de Demingbourg, escadron E, 60 ans. Coléreux, il râle beaucoup, il est doux, protecteur et se vante un peu, surtout auprès des jeunes recrues. Jimmy Frank, lancier de l'escadron Demingbourg, escadron E, 32 ans. Soldat vétéran, toujours de bons conseils, mais les gens en sont mal à l'aise en étant déployés à ses côtés. Brittany Scarlett, Jeanne Matrix. Lancier de l'armée des Minbour, escadron E, 29 ans. Un soldat à la forme physique incroyable, reçu généralement ses problèmes de la force. Brittany Scarlett. Lancier de l'armée des Minbour, escadron E, 42 ans. Mère célibataire qui donne de très bons conseils, en particulier aux autres femmes de l'escadron. Olar Abingston. Ingénieur de l'armée des Minbour. Escadron E, 28 ans, un homme qui aime les chars. Il peut identifier les pièces d'un modèle rien qu'en les voyant. Rebecca Lumbus, ingénieur de l'armée des Minbour. Escadron E, 24 ans, plutôt froide, brusque, elle n'aime pas trop fréquenter les autres membres de son escadron. Aladdin Ballard, sniper de l'armée des Minbour. Escadron E, 24 ans, cet autoproclamé féministe et défenseur des femmes combat avec son fidèle fusil de précision Isabella. Neige le Breton, sniper de l'armée Hemingbourg, escadron E, 16 ans, une fille timide qui manque de confiance. Elle est facilement troublée et rougit pour un rien. Connor Dofferty, grenadier de l'escadron E de l'armée Hemingbourg, 30 ans, dévoile l'écriture de son livre. Il a toujours une excuse pour expliquer son blocage. Non. Arsenal. Linfield, type de fusil militaire. On s'en fout un peu de la description d'un fusil. Glossaire Europa Fédération. Je pourrais avoir une description avancée de chaque perso, mais. Pas abusé non plus. Presse. Les articles de presse. Lisez les articles de presse pour rester informé des événements de la Seconde Guerre d'Europe. Le comeback historique. Le 2, le quartier général militaire de la Fédération a officiellement annoncé la plus grande contre-attaque de l'histoire. Un assaut total contre l'Empire dont les sphères politiques parlaient déjà depuis un moment. Après toutes les pertes militaires dues à l'Empire de la Fédération, mise tout sur cet assaut impressionnant. C'est un peu bizarre comment ils ont... Comment je fais pour... L'opération
étant confidentiel, tous les détails ne sont pas encore connus, mais des millions de soldats seraient en route vers le territoire de l'Empire. Cependant, la Fédération se heurte à la bureaucratie de ses alliés, tandis que le règne dictatorial de l'Empire permet des prises de décision très rapides. L'électeur ingénieux remarque que la vision défensive de la Fédération a un peu trop disséminé les forces, ce qui a donné l'avantage aux forces en plus grand nombre de l'Empire. Avec tant de territoires tombés entre les mains de l'Empire, c'est peut-être là leur chance d'inverser l'issue de cette guerre. Okay, c'est bizarre, c'est vraiment con comme ils l'ont écrit parce que il n'y a pas de flèche qui... En tout cas, l'histoire de l'armement est inhérente à la guerre. Hors de la Fédération et de l'Empire, des ingénieurs du monde entier conçoivent chaque jour de nouvelles technologies d'armement. Certaines inventions ont même le potentiel de modifier la façon dont on mène les batailles, comme par exemple le nouveau mortier portatif de nos forces. Ces mortiers peuvent envoyer des obus dans les airs qui explosent et font d'énormes dégâts quand ils touchent le sol. Leur puissance de feu et leur probabilité leur ont valu la louange de la foi des militaires et des civils. Les progrès des chars et des mitrailleuses ont fait passer la guerre à un niveau sans précédent, et ces mortiers pourraient en faire de même. L'imprenable Crest Prix. Le 10, l'armée de la Fédération a annoncé avoir réussi à capturer le Fort Crest, une bastion impériale à la région occidentale de l'Empire. Malgré une forte résistance impériale et de nombreuses pertes parmi leurs alliés, les forces de la Fédération ont fait fi de pronostics et décroché de peu la victoire. Même s'il s'agit là sans doute d'un coup logistique pour leurs forces impériales, la victoire est encore plus importante car elle est un véritable symbole d'espoir. Après la perte due à la puissance militaire de l'Empire, ce succès devrait remonter le moral des troupes. Et nous lirons attentivement le Times pour en savoir plus sur les autres victoires liées à venir. Décorations. Les décorations. Remplir certaines conditions en combat vous octroie des médailles. Consultez vos médailles dans l'onglet décoration. Décerné à ceux ayant pris part à la bataille de Fort Crest. C'est célèbre porte fortifiée en la courte face. Ok. Décerné à la Fédération à ceux qui ont grandement contribué à la victoire au combat. Le drapeau de la Fédération. Ok, ouais, fait que c'était une bonne victoire. Il y a juste ça de médailles. Il n'y en a pas beaucoup. Statistiques. C'est mes stats. Félix, t'es où? Mais là, je suis en train de me mettre un shader. Pour apprendre des trucs. Bon, mettre des shaders, c'est pour ça que je suis plus à la game. Puis dans ma maison, il y a comme un poisson. Vu que je laguais tellement, mais genre, j'ai arrêté d'y toucher parce que j'avais peur de l'enlever. Okay. Mais je t'avais ramené un poisson. Mais je vais le mettre dans le coin de Valina, tu iras le rechercher après. Hey, my god, c'est pas pratique ça. Quittez vos quartiers privés. Oui. Quartiers privés. Mess, mode livre, entraînement, ça j'ai déjà fait. Mode livre, oui. Annexe. Front uni avec l'escadron. Ok, ça c'est pas important. Ça c'est le scénario. Quartier général. Non. Escarmouche. Ça c'est une map d'escarmouche standard, d'accord. Annexe. Fait que ça c'est l'annexe. D'accord. Voir cet épisode. Contente de te voir à l'heure, Claude. Tu as déjà visité la base? Ouais, comparé aux autres camps, c'est le paradis ici. Parfait, j'espère que vous ferez bonne utilisation de ce matériel. Chef, les commandants des escadrons AAI ont été rassemblés. Passons aux choses sérieuses. Je sais que l'escadron E vient à peine d'arriver, mais j'ai déjà l'ordre de mission. Notre objectif est de capturer un village au nord-est d'ici. Selon les rapports, Rennes est un des centres de communication les plus précieux de l'ennemi. C'est pourquoi il est gardé par un peloton de chars. C'est compliqué ces choses. Cela complique les choses. L'escadron E est principalement composé d'infanterie. Sommes-nous équipés pour affronter les chars en zone urbaine? Ne vous inquiétez pas, cette fois nous aurons un appui de feu. Une fois dans la ville, communiquez les coordonnées des chars à l'infanterie.
Je vois. Vous avez déjà pensé à tout. Sans nos renseignements, l'Empire utilise des leurs pour nous faire croire qu'ils sont plus nombreux. Si nous pouvons discerner les vrais chars des faux, alors Reine est à vous. Excellent travail, lieutenant. Je serai de pouvoir compter sur vous. Vous me flattez, chef. Impressionné? Avec les bonnes infos, tu contrôles la guerre. Opération conjointe, hein? Se coordonner avec l'unité d'appui-feu est la clé de la réussite de cette mission. Essayez de minimiser les dégâts collatéraux. L'idée est de s'emparer de leur équipement et de l'utiliser. Minerva, votre mission est d'éloigner les troupes ennemies aussi loin que du village que possible. Ce sera fait. L'escadron E s'infiltrera et récupérera les infos pour la tirer. Compris, chef. Nouvel épisode a été ajouté. C'est pas encore la guerre, fait que je vais l'écouter. Puis après ça, je vais save, puis je vais aller me faire manger. Et j'ai appris qu'on bouge déjà. Dommage, j'ai obtenu un record avec une fille de la marine. Dans tes rêves, tu t'es surtout pris un sacré vent. Et tu regardais? Ah, ce que tu fais de ton temps libre ne regarde que toi. Mais en service, tu représentes l'armée. Tu te prends pour qui, ma mère? Parfois, j'en ai l'impression. Tu as dit qu'une mission d'un appui-feu, c'est donc une opération conjointe. Tu as deviné. Et regardons qui est encore en vie. Je suis aussi content de te voir en forme. Mais tu commanderais mon équipe. Oh vraiment? Alors je suis impatient de... Épargne-moi tes commentaires, j'ai demandé à être transféré. Oh. Mais les ordres sont les ordres. Dis-moi mon transfert, c'est toi qui commandes. Claude Lecoir, commandant d'une mission. Incroyable. Quand sais-tu aller à la bourre? Tu viens juste d'arriver. Ça boit sans bordre, comme toujours. Tu peux laisser parler les grands, s'il te plaît? Sérieux, ça fait 10 ans et c'est comme ça que tu nous accueilles un vieil ami. Salut Riley. Je sais que ça ne regarde pas, mais Claude, le lieutenant Wallace, c'est un excellent commandant. Nous ne serons plus là sans lui. Nous lui vouons une confiance aveugle. Et puisque nous allons collaborer, vous devriez peut-être... Je devrais lui faire confiance. Évidemment, vous voyez la vie en rose comme vous gagnez. Mais qu'est-ce qu'il en est des choses si les choses se gâtent? Prenez la fuite et sûrement tout ce qu'il sait faire. Ça suffit, Riley. C'est l'Empire qui a pris ta famille, pas Claude. Il a grandi depuis... Juge-le pour ce qu'il est maintenant. Laisse tomber, Kai. Mais c'est bon, les mots ne changeront pas le passé. Je dois juste reconstruire. Reconstruire quoi? Notre confiance. Allez, je vais te prouver que j'ai changé. Donne-moi au moins une chance de faire mes preuves. Que les choses soient claires. Si cela ne concerne pas la mission, je n'ai aucun ordre à savoir de toi. Riley. La barbe. Un nouvel épisode a été ajouté. Et je vais sauvegarder là. Ma vraie save, c'est elle. Nice. Oui. Fermé. Et on va cesser le live.